Est-ce qu'on se ferait pas des caps pour tout le monde là avant de partir? Cap de loup? De l'ox. Ah, de l'ox. On en a beaucoup en plus du l'ox. Je sais pas si on a beaucoup de cuir, ça je sais pas. Bois précieux, beaucoup de bouts de cuir. Il faut du bois précieux et du bout de cuir pour le harpon. Est-ce qu'il nous reste du bois du bois robuste? Robuste à l'eau de base, je crois qu'on avait beaucoup, ouais. Ok. Je vais upgrade ma pioche pour augmenter sa durabilité, parce que ça va être chiant sinon. Parce que c'est... Il y a beaucoup. Un gisement d'argent, il y a genre 70 d'argent, quoi. Ok, Kenny? Oui. Ok. C'est moi. Ah, regarde de moi, t'es où? Attends, je suis parti chercher le bouet. C'est bon, je reviens. Attends, jamais à côté de la vie, pardon, pardon, je sais jamais où la mettre ma cam, je la déplace tout le temps. Ouais, t'es où? C'est peut-être juste qu'il a eu. Oh, j'en ai crafté deux. Oh! De quoi, d'arpan? Ouais. Ah, oh, je peux pas le ramasser, venez, il est au venez, sol. Venez, on va. Non, on va il, a, il s'envole. Je peux pas le non, ramasser. Mais il va revenir, ne vous inquiétez pas, il va revenir. Il s'envole, il s'envole. Vous je l'ai. Ah, bah c'est bon, Kenil, là. Viens, venez, on va essayer de trouver une bête. Est-ce que ça marche pas que sur le serpent? Ah, mais tu tires à distance avec! Bah oui! Ouais, ah, y'a un cochon là, y'a un cochon. Chopez-le. Oh! Oh, what the fuck? What? Oh, c'est trop fort! Ah, regardez, regardez, regardez! Oui, ouais, regardez. Il est, ouais, il est accroché son cochon là. Il revient vers moi! Mais du coup, pour les locks, pour les locks. Quand on fera le oui, jeu parce de que je pense. C'est... Ouais, bah oui, c'est ce que je te disais, Kini. En fait, le serpent, quand il est bas HP, il se casse. Oh la viande pour les soupes de serpent, la viande pour les soupes de serpent. Oh c'est lourd. Oh y'a Odin, y'a Fréron. Salut mec. Mec attends, vas-y j'active le PVP. Accroche-moi Alpha. T'imagines t'actives le PVP, il te fout droit direct. J'arrive pas à m'en aller. Ah what the fuck. Ah j'ai plus de vie. Arrête. Ah j'ai plus de vie. Mec attends j'arrive pas. Attends arrête de t'en aller. Ok c'est bon. C'est bon. Human released. Non, human released. Ah, c'est trop bien. Eh les amis, venez, on va dormir. Ouais. Mec, j'aurais pas dû sauter, j'ai 7 HP. Ah, t'as failli mourir de fou. Ah, ouais, c'est ouf. Go dodo. Dodo. Kenny, t'as fait ce qu'il fallait, on peut genre partir en fente. Sur Odin. Non, j'ai pas tout fait, mais vas-y, on part comme ça au pire. Faudrait juste prendre des potions de. Vivant. Let's go. Putain, vraiment, le mec, c'est ton chien quoi quand tu l'as harponné. C'est trop marrant. Imagine, t'harponnes Odin, tu t'envoles avec lui comme un corbeau. Et voilà. Et tu traverses la. En fait, c'est ça l'hélicoptère du jeu, peut-être. Louloucoptère. Voilà. Alors, moi, j'ai pas eu la viande de serpent par contre. Et ben, regarde, elle est dans le gros coffre en métal. Métal. Le métal. Alors, pour la soupe de serpent, il me faut du miel et du champignon. Du miel, on en a 1 milliard. Il faut des champignons, les potes. Ouais, champignons rouges quoi. Aucun? Ouais, il n'y en a plus, il n'y en a plus. Non, non. Mais c'est pas grave, en vrai, on part sans, non, pour l'instant? Oui, pour le moment, on stockera, on ramassera. On peut s'en foutre pour l'instant, je pense. On va arrêter la prod de carottes, parce que les soupes de carottes, ça consomme des champignons. Du coup, c'est finito, les soupes de carottes. Finito. C'est chiant, on devrait pouvoir prendre des champignons. Les navets sont beaucoup mieux, non, que les, oui, que les carottes. Les navets, c'est beaucoup mieux que soupe de carottes. Mais ouais, soupe de carottes, c'est bien pour farm, en fait. Alpha, prends dans mon coffre, je sais pas si t'en as mis aussi. Tu devrais prendre des potions de soins dans mon coffre. De premier dans celui au fond là-bas. Les potions grises. J'en prends deux. Ouais, ouais. L'hydromel très revigorant. Ouais, ça, en fait, ça te met des HP sur le temps quand tu l'utilises. C'est pas instant. Ok, je vais voir pour trouver des champignons. Là, il faut des soupes de serpent. Tu pars pour des champis, toi? Ouais, vite fait. Là. Vas-y. On t'attend ou tu pars et nous, bah, on va là-bas? Ce serait bien que tout le monde en cherche. Le problème c'est qu'on pourra pas en faire une fois à la base là-bas quoi. Vas-y. Moi je vais mettre il est où l'argent pour revenir à la montagne ou pas? On a, excusez-moi mais on la drop où l'argent? Alors là je ne sais pas. Il est toujours dans le bateau non? De quoi les gars? L'argent. Le reste? Ah oui il reste J'ai de l'argent. Ouais il reste 43 d'argent. Et il y a 2 œufs à poser. Non!
Par contre, je vais pas pouvoir prendre tout l'argent en déposer. Ouais, je vais en prendre aussi, t'inquiète. Là, je te fais un stack. L'argent. De l'argent, de l'argent. Tu mets directement dans les fours ? Ouais, tu peux drop dans les fours et après sinon dans le coffre à charbon. Et boum. Après tu mets dans le coffre à charbon en dessous, on va tout mettre dedans pour l'instant. Ouais, moi j'étais parti chercher ça pour faire ça, c'est vrai. Il fallait que j'upgrade... Ah, elle est pas assez HL, oh. T'as fait le truc des outils, du coup? C'est ça que tu voulais faire, non? Aussi? Je sais pas. Attends, il faut que je mette ça à l'intérieur, je vais péter les plombs, sinon... Humide. Il est humide. Voilà, tu vois, j'ai réalisé un truc, j'aimerais bien qu'il modifie. C'est le fait que quand tu plantes des trucs, ça consomme de la stamina. Trop chiant. Oui, c'est relou, ça. Ouais, c'est plutôt normal, non? Moi aussi, je suis Kenny Squad, c'est vraiment trop bien d'être la Kenny. Ouh. Bah, juste de la lenteur au jeu. Ouais, mais... Je sais pas. 150, durabilité 200. Donnez-moi les champignons par ici. Ah merde, c'est de l'argent. Ok, alors attends. Les chaînes, on en a où des chaînes? On a là, non? Vous savez où est-ce qu'on a des chaînes ou pas? Des chaînes? Dans des coffres, il y en a. Il t'en faut combien? Parce que moi là, j'en 4. Vois qu'une. Ah, il y en a qu'une ici. Je regarde dans les coffres de tout le monde s'il y en a pas qui ont été drop comme ça. Parce que les chaînes, du coup, c'est des fantômes hein, qu'il faut tuer. Non, c'est les drogueurs aussi, ils en donnent. J'en ai encore une ici. Et j'en ai une, il en manque une du coup. Oh, peut-être je vais regarder à l'autre base, je vais regarder à l'autre base, il doit y en avoir. C'est chiant. En gros là, on va améliorer vite fait en deux spills à nos pioches pour pouvoir avoir plus de durabilité. On gagne quand même pas mal de durabilité à chaque upgrade. Ok. Et du coup, là par exemple, une upgrade de pioche, c'est 5 de fer et un bois robuste. Et ça donne plus 50, on a 150 de durabilité, donc on gagne un quart de durabilité en plus, ce qui est énorme, en vrai. Et du coup une deuxième upgrade, c'est 50 de plus. Alors là du coup je vais ouvrir tous les coffres comme un idiot. Kenny? Ouais. Il y avait deux trophées de loup là dans le coffre et ça m'a fait une cape de loup, je l'avais pas moi la cape de loup. Ouais moi j'avais, bah du coup je les avais déjà mis, dès que je vois des objets que j'ai pas je les mets dans mon inventaire. Donc voilà c'est ça ouais, la cape de loup, on peut la faire en loup ou en lox, la différence c'est la durabilité. Ok ok. De base, après peut-être que si tu upgrades il y a une autre différence mais au début c'est la durabilité. Je crois que je les ai mises là-dedans les 10 chaînes. T'avais chaînes. Des chaînes sur toi? J'ai deux chaînes sur moi. Ouais ramène-les, je vais faire, okay, okay. Faire le truc. Il faut de la peau de serre, on doit en vendre en gibier. C'est trop bien d'avoir un léviator, un animal de compagnie, let's go. Ouais tu peux les drop. Ouais je te les mets dans le coffre là tranquille. Une volante de champignons. Des champignons. Merde. C'était un plan loup. Pas de champignons. Boum. J'ai récupéré un peu de charbon en passage. C'est utile, non? Bah le charbon c'est toujours un peu utile j'imagine. Non les charbons. Ah les charbons, oui bah oui, oui je pense. Oh là là, Kenny qui nous fait des trucs de fou là. Hop, je t'ai posé le minerai d'argent qui a pop. Ok,
Bah vas-y. Oh, ça coûte cher quand même. Ouah, ça coûte pas 5, ça coûte 20. Bon, après, cela dit, faut le faire. Hein. 250 de durabilité. Ouais, elle est bien. Elle est vachement bien là. Ouais, upgrade, upgrade ta pioche à fond, mec. Hein. La là, pioche de fer ? Ouais, va dans le coffre lingot. Ok, ok. Upgrade, okay. Upgrade là, niveau 3 pour gagner 100 de durabilité. Dans le coffre lingot là, j'ai mis du bois robuste et du fer. Prends. Du coffre lingot, du bois ouais. Et du fer. Okay. Du bois et du fer, et tu l'upgrade deux fois. D'accord. C'est 20 de fer l'upgrade. Non, 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 non de sel. Ah, t'en as craft une. Pas grave. On s'en fout de l'opti de savoir si c'est opti d'en faire deux full upgrade, mais on s'en fout parce qu'en gros après t'as juste à delete les objets à côté et puis ça récupère tout. En vrai on s'en fout. Ouais, ça augmente les dégâts absolument. Un recycleur ça serait cool. Ouais, un recycleur ouais. C'est bon ? Donc il faut déterminer ce qu'il faut. Ok, moi j'ai pris quelques. J'ai trouvé quelques champignons. Vas-y, on fait un petit. On court un peu partout là, Juice, pour aller récupérer des champis là. Pour aider. Moi je suis chaud d'aider vite fait là. On va aider un peu. Je vais. Moi je vais courir un peu en forêt là. Je vais courir partout. Jusque là. Je vais en profiter pour explorer. Tu sais quoi, je vais faire un tour. Je vais te ramasser des champis en balle. Je ne sais pas craft le stand à outils. Non, par contre, effectivement, ça a débloqué pas mal de craft, ça met bien. On va te ramasser pas mal de champis, comme ça on pourra bosser un peu autour de ça. Mais du coup, ce que je trouve étrange, c'est que le serpent de mer, vous l'avez rencontré de jour. Ouais, de jour, ouais. Mais moi, je croyais que c'était que de nuit, en fait. Du coup, mon monde mais en fait, il pourrait... mon monde s'effondre. C'est terminé, je ne comprends plus rien à ce jeu désormais. La fondation de la logique s'effondre, en fait. Merci parce que la caméra là me donne un Framboise c'est pas needed. Si en vrai. Pour on a plus de sang. Ah ouais, je savais pas. Bon, je ramasse quand même sur le chemin, mais c'est pour les potions oui, de soins. Et les necks les nix, oui, on en a besoin, on a toujours besoin. Hein. Mais je crois qu'il faut qu'elle soit crue la viande pour faire je sais plus quoi. En vrai, moi je peux rien là. Ouais. Ouais, voilà. Que de Nyx. Ah, des champignons. Let's go. En fait, en VF, c'est des Nyx, c'est ça ? Ouais. C'est des necks en anglais. Enfin, c'est des necks en français aussi. Mais les queues, c'est des queues de Nyx. Donc, je pense que les mobs sont censés s'appeler Nyx. Ah oui, ils s'appellent Nyx en VF. Là, je regarde. Mais le feeling de l'épée est trop bien. Ouais, c'est trop cool. On est d'accord, on parcourt la map pour des champignons, let's go. Ouais, des champignons, ouais. Là, il nous en faut masse pour la viande de serpent, la soupe de serpent. On devrait tuer d'ailleurs un peu à la chaîne en vrai. Hein. Oh, trop bien, let's go. Masse champignons là. En fait, c'est simple, dès que vous prenez le bateau, faut avoir un harpon quoi. Un harpon, des flèches, et en vrai, il se tue assez facilement. En vrai, quand t'en as peur au début, mais quand tu le joues. Quand tu le joues, bah voilà. Faut avoir confiance en soi et lui rentrer dedans. À niveau champi là, je sais pas pourquoi j'ai du mal à en trouver. Ah ouais? Je suis en live là au cas où. Hein. Je te le dis. Vas-y. Mais arrête. Les sangliers, ouais, vas-y, laisse-la comme loot, ça. Ça devrait loot automatiquement de la viande. Je trouve ça bizarre que des fois il loot que une peau. Non, non, bah oui, mais tire d'un pouce. Attends, j'arrive. C'est vrai. Mignon. Qu'est-ce qui m'est arrivé?
Regarde, regarde sur internet. C'est mieux qu'au début. Moi pour le moment j'ai trouvé que 7 champis, hein. Putain c'est chiant à trouver. Hein. 14 actuellement. La vache putain, c'est une bonne prise. Hein. Encore, encore, encore. Il prend de la marque. Ouais, ça va. Là, j'en ai plutôt formé pas mal en début donc tranquille. 16 là. Faut vraiment que je gagne ce câble, hein. C'est terrible. Hein. Après moi j'en c'est profite terrible, pour c'est faire de terrible. La chambre à côté. Re désolé. Ok parfait, c'est bon, je suis bon. Bah je cours. Je cours, continue de chercher des champignons. Accroche à la vie. Ouais le... Seul avec son bruit. Je sais ce qu'il dit derrière, pardon. Aucune idée. On en a assez des champignons là. Ah ouais. Ouais, oh ouais. J'en ai encore trouvé. Waouh, j'en ai trouvé tellement. Oh, wow. Ouais, des fois t'arrives sur un spot, il y en a genre 8. Ouais, ouais, là il y en avait 8. Ouais, j'en ai trouvé 4, c'est énorme. En fait, c'est mieux de les chasser en prairie qu'en forêt noire. Ouais, ouais, ça forêt oui, noire, par contre. Ils sont plus rares et en plus plus durs à voir, je crois. Ah, ouais, non, mais oui, en prairie c'est infiniment mieux en fait que. Ouais. Oui, la prairie, oui, ça par contre c'est clairement mieux, mais bon. Un petit champignon là, mais tu vois, moi quand je trouve des champignons, il y en a 2 quoi. La la la. Ouais, vas-y, je rentre au camp, moi. Et je prends les champignons que je trouve en. En marchant. Ok. Vas-y, je rentre aussi, hein. Je vais rentrer et je prends ce que je trouve en rentrant. Vas-y, je pose les champignons que je vais choper là et je pense qu'on va aller à la montagne. Ouais, ouais, on va y aller, hein. Ouais, ouais, ouais. Si on croise des serpents sur le chemin en mer, on tue. Hein. Bah garde un harpon. En fait, ouais, gardons juste un harpon dans le bateau, peut-être. Ça sera pas mal. Oui, on stocke l'autre à la base. Ouais, je vais mettre le mien à la base. Qu'est-ce que je voulais faire ? Non, 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 garde le tien. Ok, ok, ok. Touk, touk. Alors, par contre, des framboises, on en a trouvé 1000, mais des champignons, que dalle. Hein. Cela dit, tu vois, tu me dis de pas ramasser les framboises, mais on en a toujours besoin, hein, en vérité. C'est jamais mauvais hein, de ramasser des ouais, objets. Pour les confitures quoi, mais ça sert à quoi d'autre les framboises à part les confitures? Les potions de soins. Ah oui, du coup oui, et donc bah en fait non, faisons pas de confiture avec alors. Bah on surtout peut pas, on fait. Peut faire des... Ouais ouais j'avoue oui. Non non non, vraiment surtout pas. Par contre, je me demande si la... Ouais la confiture... En fait pour 6 potions de soins, c'est 10 framboises. Tu sais que le miel c'est vachement bien en fait, genre ça fait 5 HP par seconde de régène. Ouais ouais c'est énorme ça, c'est le meilleur rendement de HP régène. De régène, ouais ouais. Ça donne R en point de vie et en endurance, mais ça fait bien régène quoi. C'est pas mal du tout effectivement. C'est vachement... moi je trouve que le système de bouffe est trop bien. Ouais il est bien pensé, il est c'est très bien pensé. Hyper bien pensé, c'est simple, c'est ludique, et en plus c'est crédible, enfin genre c'est vraiment trop bien. Oui, il y a un petit côté real life autour des ingrédients, ouais, des trucs ouais. Et tout. Genre, c'est trop bien parce que si tu bouffes full viande, bah t'as beaucoup d'HP mais peu d'endurance. Alors que si tu bouffes full légumes et soupe et tout, t'as masse endurance mais pas beaucoup de HP, tu vois. C'est assez et c'est en mélangeant un peu les deux, en faisant des soupes de viande et tout, que t'as des trucs de fou. Ouais, c'est ça, c'est ça. Non, c'est trop bien pensé. En faisant de l'équilibré. Après, heureusement qu'ils l'ont pas poussé, parce qu'il y a des trucs qui rendent craintif des systèmes comme ça, à la Echo, à la Scum, tu vois, qui te demandent d'avoir un équilibre en éléments. Ça, c'est relou, par contre. Ça, ouais, c'est vraiment ça, relou. De fou. Et surtout, par exemple, sur Echo, c'est vraiment, genre, tu ne peux pas XP en faisant des choses, tu es obligé d'attendre, en fait.
Et sur Echo, tu dois manger. En fait, tu vas avoir un multiplicateur d'XP qui va augmenter en fonction de ton équilibre des éléments que tu as en toi. Donc, ce soit les protéines, les lipides, tout ça et tout. Et en gros, faut manger parfaitement équilibré pour optimiser ton multiplicateur d'XP pour attendre mieux. Voilà. Relou de fou. Ouais, c'est un peu bizarre. Un peu bizarre comme système. Même si, bon, Echo, c'est très particulier comme jeu. C'est vraiment typiquement le genre de truc qui fait que les jeux de survie, ça m'ennuie au bout d'un moment. Ouais, je comprends. Quand les choses sont plus une contrainte. Un jeu, c'est là où je lâche. Oui, t'as envie de jouer quoi. Ouais, ouais. Et bien sûr. J'ai envie de jouer, les gars. Je comprends, je comprends. Non, mais Echo, c'est particulier aussi. C'est très particulier comme jeu. Je parle de ça. Scum aussi, c'est particulier. Moi, je trouve ça particulier ouais. Que dans Scum, ils aient ajouté ce système alors qu'il en a pas forcément besoin, je trouve. Non. C'est pas le but du jeu. Hein. Scum. Le système des carbs, protéines et tout, là, tu dois bien manger pour que ton perso... Ah oui, mais leur métabolisme est vraiment full, enfin, poussé de dingue. Hein, ouais, le problème, c'est que, tu sais, ils font tourner un jeu PvP open à la DayZ un peu autour de ça. Hein. Genre, c'est vraiment... C'est même pas une feature, c'est la feature du jeu, tu vois. Genre, le fait ouais, de... Ouais, mais gros, c'est trop marrant parce que, genre, imagine, t'es à l'airfield, t'es en full PvP et là, d'un coup, ton personnage, il a la chiasse. Et genre en fait tu peux pas pré-shot le truc. Du coup en fait le mec se baisse complètement devant son adversaire et il est en train de chier en fait. Parce qu'il a la chiasse. Ouais ouais. Ouais c'est marrant une fois quoi. Et ça c'est grave marrant en vrai. Bon quand ça t'arrive pas à toi tu vois donc enfin mais ouais. Juste le mec pose une pêche devant toi c'est énorme. Non mais ça m'avait fait trop rire. J'arrive à l'airfield, je me battais contre un mec, le mec devant moi il me fait un décal et d'un coup je vois qu'il baisse son proc. J'étais en mode qu'est-ce qu'il est en train de me faire mais. Une nouvelle émote. Il a un move. Le mec était juste en train de déféquer devant mes yeux quoi, parce qu'il ne pouvait plus se retenir. Tout simplement. Pas de... Il n'avait de cesse que de chier en face de moi, je ne comprenais pas. Clairement. C'était en mode je lui fais autant peur ou what the fuck. Donc, mec ouais. C'est chié dessus en fait. De fou. De fou. Y a de la bouffe à l'aide. Ouais, là je vais cuisiner tout là. Ouais, c'est pas, ça part. Du coup, le bateau est vide, on peut y rajouter tout le minerai qu'on va aller chercher et l'arpon, bien entendu. En plus, on va partir quasiment de nuit là. Miam miam. Full serpentos. Ça part. Oh, elle est magnifique. Tu fais combien de sous de serpent avec une viande? Une seule? Une seule, ouais. T'as besoin de deux miels, un champi, une viande. Donc c'est pas mal. Oh, ça va. C'est correct. C'est très correct. Allez, 6 soupes de serpent. Ayo. Yo yo yo. On peut me laisser prendre la viande crue que je fasse des soupes de. Non, c'est impossible. Oui. Vas-y. Non, c'est pas possible là, j'ai ouvert le coffre. Vas-y, okay, je vais harponner. Je suis harponné Kenny là, il est chiant là. Harponner, tu vas sauter, tu vois. Il est juste méga relou donc je vais le harponner vite fait. Petit coup de harpon vite fait là. Mes framboises, je les ai posées. La chitine, je la fous dans les lingots. La chitine. Ouais, du coup, on va prendre ça. On va s'en prendre deux chacune, hein, et c'est parti pour le serpent. Oh, mais il a tout fondu, mais putain, quel boss. Bah, j'ai tout fait, ouais, j'ai tout fendu. Hein. Ah, mais on a de l'éting. Il nous reste. Enfin, il reste 11 minerais, mais il n'y avait plus de charbon, du coup. Voilà. Je vais mettre du bois et. Et. Est-ce qu'on. Saucisse, c'est quoi les stats? 60-40, je te dis ça, c'est 60-40, 60 vie, 40 tendu. En vrai, c'est plus facile de craft les soupes de navets dorénavant là. Là, les soupes de navets, on a une prod vraiment solide avec l'agriculture et on n'a plus besoin du tout d'entrailles et tout quoi. Et soupes de navets, c'est 50-50 donc ça nous donne un peu moins de vie mais plus d'endu donc. Ouais, mais du coup, tu veux quoi? Tu veux faire l'ox, l'ox navet? Mais les locks c'est chiant aussi à farm, non? C'est 70-40 ouais. Hein, les locks. On hein. Peut faire nave et saucisse, tu vois. Mais ça, oui. Il faut beaucoup de viande crue. En fait, faut pas qu'on utilise en doublon les recettes, quoi. Oui, oui. Ta viande de Nyx, tu la mets où, Kenny? Parce que c'est toi qui la gères, celle-là, non? De quoi? La viande de Nyx. La viande de Nyx, non, c'est pas moi qui la gère particulièrement, mais elle est dans les coffres à bouffe. Hein. On peut considérer que ça, c'est les coffres à bouffe. Hein. En vrai, c'est juste à côté du chaudron et tout. Moi, je pense que c'est une bonne idée. Hein. Bah, on met la viande dans le coffre du milieu. Voilà. Ouais, tout à fait. Viande coffre du milieu, yes. Les champis sont là, les saints champignons sont là. En vrai, ouais, ok, yes. Alors, ok, full viande dans le coffre du milieu et végétaux dans l'autre. Ça sera plus propre. Ok, je suis bon normalement. Ouais, je suis bon pour partir moi.
moi je finis vite fait. Deux, trois soupes à faire. Ah là, on a tellement de soupes de navets, je sais même pas si j'aurais besoin d'en faire d'autres. Hein. On en a genre un petit milliard. Voilà. Un petit milliard, ça m'est bien. Un petit milliard. Lingot 1, lingot 2. Je pense qu'on... Je vais ranger le miel. Attends, je l'ai vu où l'argent? J'ai vu de l'argent. J'ai de l'argent. J'ai de l'argent. Ça vient d'où ça? C'est Sova. Sova, quand tu appuies sur... sur en mode je peux vous acheter, tu vois. Genre demander des bails. Il fait j'ai de l'argent. Du coup, je l'ai mis en son de sub. J'ai de l'argent. Je l'ai vu où l'argent, les amis? Vous vous souvenez ou pas? J'ai tout oublié. Ah, attendez, je reviens. Oh, j'ai vu de l'argent, mais je sais plus où. Je suis teuteux. Un peu teuteux celui-là. Il est teuteux ce mec. Top top. Ça m'intrigue le truc du dragon là, l'œuf de dragon. Bah ça doit être pour faire pop le dragon, non? Peut-être ça. Peut-être zo. 200 de poids. L'œuf. Je reviens, je vais chercher un collier en bas de chez moi. Je reviens de suite. Vas-y, vas-y. Monte dans le bateau. Ouais, je vais monter dans le bateau. Comme ça, let's go les gars. Ok, je vais ranger mon navet. Est-ce qu'on n'irait pas explorer la deuxième montagne vu qu'on a déjà on a commencé à explorer la première? Ouais, elle est plus proche. Hein. Mais j'ai l'impression qu'on en a fait le tour presque déjà. Peut-être je me trompe après. Hein. Et du coup, il n'y a pas de soupe avec la viande de l'ox. Je trouve ça étrange quand même. Non, non, mais à fondre, c'était à fondre que je le cherchais. Les soupes de l'ox. Peut-être qu'il nous manque un ingrédient. Hein. Peut-être, ouais. Je vois que ça. Hein. Ouais. Ah, mon orge, putain, c'est vrai, l'orge. J'en ai pour 3 minutes chrono. Je vais replanter l'orge, vite fait. Vas-y, vas-y. Parce que si on veut qu'il se démultiplie. Nous sommes bien obligés. Ouais. Surtout qu'on part d'une graine unique. Ah oui, l'orge, c'est vrai qu'on a ramassé ça, putain. De l'orge. Merci. Je me demande si on peut harponner un troll. Si tu harponnes le troll, t'essayes de le tirer vers un endroit. Oh, il y a une mouette sur la maison. Un sniper? Je suis un putain de sniper par contre. Bullseye. Re. Re mec. En fait on attend Alpha qui est parti faire son petit potager. Son petit potager. Ok, ok. Par contre, vous avez vu ou pas? Vous avez vu, je pense. De quoi? De quoi? Vu, mec. L'arc Croc de Drogueur. Ah non, j'ai pas vu ça. Nouvel arc. Ah, mais parce que tu n'as pas eu la viscosité et non plus Alpha. Ah. Alpha ne l'a pas eu. Ah, alors Alpha. Non. Information. Dans le coffre Alpha Cast, le premier coffre. Il y a de la viscosité. La viscosité, c'est quoi? C'est ce qu'il y a sur les arbres du marécage, les trucs verts. Manu a trouvé comment les farmer. En fait, il faut les taper à la pioche, les mucus, là, les muqueuses des arbres. Trop stylé. Voilà. Et du coup, quand tu... Ah, mais t'es mort? Oui. Oh non. T'inquiète, je me dépêche. Et du coup, voilà, quand tu les tapes à la pioche, ça te permet donc de récupérer de la viscosité.
Ça marche aussi à la hache apparemment. À la pioche. Ouais, à la pioche ou à la hache aussi apparemment ça marche. Mais comment tu fais pour les taper, ils sont tellement... Bah y en a qui sont bas, y'en a qui sont au pied des arbres, ouais. Je me disais encore, c'est bizarre qu'on ait pas, que ce soit pas utilisable ce truc, ouais. Et effectivement, c'est bien un objet, ça te permet de faire l'arc croc de drogueur qui tape en perforant. Donc il tape à deux plus fort que l'arc de chasse, donc l'arc de fer de base. Et tape aussi en poison. Bah yes. Et non, je vais pas me faire de stuff en argent. On va en faire. Ah, il fallait en faire un Ajou. Ajou. Giuseppe. Attends, on va regarder ça. Si, Guillaume. On va voir ça pour faire un petit stuff au Ajou sauce. Mon dieu, je vais devenir le roi de la montagne enneigée. Le roi de la montagne. Irré. Irré de la montagne. Ouais, et on a peut-être des. On a peut-être des pots de loup dans l'autre base, donc je vais essayer d'aller en récupérer. Ouais. Si on a des pots de loup comme ça, on peut faire un full stuff pour toi et tu seras... Là, il y en a 3 ici. J'en ai 3 sur moi. T'en as 3, ok. Il m'en manquerait 3 du coup. Je regarde s'il y en a par ici. Il y a des ici. Crocs, il y a des têtes. Trophée. Oui, monsieur, il y en a plein. Ah, je vais aussi prendre les pots de lox aussi. 38 pots de lox. OMG, je pense qu'on peut se faire des caps. Je pense qu'on peut se faire full capos. Tu vas faire une cape de pots de lox. Oh, tu vas être stuff. OMG. Tu vas être full stuff. Ah, j'ai oublié un truc. Putain, voilà, ça c'est mon problème. Hein. Je suis incapable de pas oublier des trucs. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as fait? J'ai oublié les chaînes. Mais non. Les chaînes. À l'aide. Non, je vois pas d'autres pots de loup. Tu te fais bolossède? Ouais, y'a des gobelins sur mon champ. Ah merde! T'as mis ta pose sur la map? Ou pas? Ouais, attends. Y'a des gobelins sur mon champ, c'est vraiment pas plaisant comme phrase. Hein. J'avoue, au secours. J'ai déjà entendu beaucoup plus agréable. Hein. Au secours, vraiment. Vraiment. Ok. Alors. Il me faut un slot. Ah non, hein. Après, je sais pas. En vrai, tu sais, je suis en train de regarder, mais la cape de Lox, est-ce que ça serait. Les enjeux partant de. Ah, ça, la fourrure de loup doit être super intéressant, peut-être pour le blizzard. Tu sais, mais on dirait que la Lox fait peut-être pareil, tu vois ce que je veux dire? Ouais, tout à fait. Dans ton coffre. Okay. Vas-y, fais voir. Attends, droite, ton coffre il est là. Le deuxième, le plus proche de toi. Voilà. Équipe-toi. Oh là là là. Équipe-toi, montre-moi. Pourquoi il y a 200 écailles de fer? Oh le bâtard, il m'a tué mon orge. T'as fait une écaille de fer, je crois. Ah non, c'est parce que j'ai donné mon plastron. J'ai donné mon truc en fait. Je me suis trompé en fait, ça c'est le truc de loup, pardon. Voilà, je m'avais trompé. C'est bon. Tranquille. Vas-y. My bad les amis. Prêt? Mais tu vas prendre mon torse en fait. Oh oui. Oh, stylé. Hello. Ah ouais, fat hein. T'as, prends plutôt mon torse à moi Kenny, je te les jetterai. Ah, il est plus HL. Peut-être même celui à mon bar, regarde. Ah bah oui. Ah oui, carrément. Carrément, c'est mieux. J'ai survécu en fait. Ah c'est bon. C'est trop stylé, on dirait. En fait, on dirait que j'ai déjà une cape, mais c'est juste que j'ai la cape de troll toujours et ça fait un truc méga stylé. Ok, alors avec ça maintenant, c'est pas fini les amis. Ce n'est pas terminé. Voyons voir ici. Alors comment on fait ça déjà? Cape de Lox. Eh bien écoutez, je peux en faire 3. De cap. Je peux faire 3 caps ou je peux faire. Ah, je peux faire que 2 caps en peau de loup par contre. Est-ce que j'en fais. Eh, je sais pas. Tu veux une cape en peau de loup toi, Juice? Bah, je sais pas. Je pense que c'est mieux en vrai. Comme ça, au moins, il y a un mec qui prend l'hydromel et on tue des loups et quand on revient, on fait une troisième cape. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, vas-y, j'en ça fais. Serait pas mal. En vrai, s'il y en a 2 qui sont full défendus de la glace et il y en a qu'un qui tape de l'hydromel, c'est ok en vrai.
Bah toi, en tout cas, coûte peut-être tiens, regarde, dans le coffre du fond, là où on met les flèches, normalement, je te drop une cape. Est-ce qu'on peut faire une cape de Lox, peut-être, juste pour tester? Au moins, regarde, c'est des... Wow. Elle tient pour la... Le blizzard. Oh ouais, la cape. Oh là là, ah ouais, ça... Oh, bon Dieu. C'est trop stylé, hein. Oh, bon Dieu. C'est Albion. Ok. Et malheureusement, là, je crois qu'on a plus d'argent. On a épuisé les stocks d'argent. Pog. Mais c'était notre premier farming et on va y retourner. Frère de loup. Et ouais, du coup, okay. Alpha, malheureusement, il va devoir consommer l'hydromel. Non, mais est-ce qu'on peut lui faire un Lox? On a plus d'argent. Ah, il faut de l'argent aussi? Ouais, il faut de l'argent. Là, c'est ça dont on a plus. Encore dedans, là. Attends, il y a encore 9 minerais dans la fonderie. C'est juste qu'il n'y a plus de charbon. Attends. Ah, vas-y. Il y a peut-être moyen de lui faire un truc. Il y en a 9 dans l'autre aussi. Ah, bah, nique. Jamais. Bah, du coup, on va pouvoir lui faire une petite cape. Mais on va pouvoir lui faire une cape de Lox parce qu'on a plus assez pour faire des capes de loup. Mais ça, on va pouvoir voir à quoi elle ressemble. Du coup, ça va être les bien. Gars. Ouais, la les meute. Gars. Les gars. Oui, ouais, ouais. Venez oui. Vite à la deuxième base, il y a des dragons qui attaquent. Hein? Et quoi? Il y a des dragons okay. Go, 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 la base. Go. Je mange. Non. Des dragons. Je suis gelé, à l'aide. Je vais mourir. Oula, j'entends des bruits de fou. Ah oui, ça tape, j'entends. J'ai 2 HP, je m'en vais. Mais qu'est-ce qu'ils font là? Je sais pas, c'est une attaque. C'est une attaque de zone. Une attaque de zone? Oui, tu sais, des fois le camp il est attaqué. Ah oui. Moins 1. Ok. C'est bon. Ah non, je gèle. Oh. Oh. À l'aide. Oula, ma cape. Et où, Il y en a encore. Si le truc s'est pas barré, c'est qu'il en reste. Et ouais, là, malheureusement, c'est qu'il nous gèle. Et oui, parce que du coup, il fait froid maintenant à la base. Ouais. Ouais. Avant souffle des montagnes. Tu le vois Kenny? Je vois pas du tout de dragon là. Je suis en train de me réchauffer là. Ah vu dans la forêt. Ok. Je pense que c'est parce qu'on a ramené un œuf de dragon en vrai. Ah tu penses ouais qu'il viendrait Ouais. Mais les femelles défendent les œufs. Farm. Ah oui. Mais du coup maintenant faut être au courant que parfois il va faire très froid à la base. Ouais. Soudainement vous avez froid. Je vais me mettre dans le bateau, je dois être un petit peu. Vas-y. Oh, bah, t'es prêt à partir là. Million, là. Ouais je suis prêt à partir. T'as une pioche en fer? Ouais. Je reviens dans quelques temps. Il y en a encore un qui est nu. Il est où? Parce que j'en ai tué un là. Ah s'il est mort. J'étais deux. J'en ai tué un des deux. Ok. Comment ça? Donne-le-moi wesh. Voilà, merci. C'est bon. J'ai de l'argent. Ça a l'air. Ok. Ah ouais c'est bon, c'est clean. C'est stylé hein, en vrai. Ouais c'est pas mal. Pas mal. Salut Cito, ça va. Bon bah allez, la montagne va être près de nous. Hein. Vas-y, on grimpe dans le bateau, on se casse à la montagne? Bah je pense hein. Vas-y, en plus là tu m'as bien stuff, là tu m'as mis vraiment bien. C'est où? Gauche? C'est derrière, ouais, c'est pas celui-là. Ouais, c'est celui-là. Pas de conneries. Let's go, on grimpe dans le bateau, on se casse à la montagne. Ça va, ah oui, ça va. Faire la cape d'Alpha avant de partir peut-être. Ah oui, vrai, je lui mets dans le coffre comme ça. Je le mets dans le coffre. Bravo chat. Ça c'est le genre de spoil qu'on aime chat, voyez. Ouais, ça c'est ça, du bon backseat ça, backseat sain ça. Backseat de nous qui oublions tout le temps des trucs. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour la cape de Lox? On va voir. Cape de Lox. Bah, il me faut juste l'argent. T'as 21 argent là posé. Let's go. Oui, monsieur. Je suis si lourd. Le lourd est déprimé. Ok, cape de Lox. Je vais l'équiper, je vais voir à quoi elle ressemble vite fait là. Je suis encore si lourd. Regardez si on a l'arpon dans le.
Attention, cap de l'ox. Viens voir. Oh, elle a un petit flow aussi, hein. C'est une cape marron, mais elle a un petit flow quand même. Tu sais s'il a l'arpent sur lui? J'en ai un, moi, j'en ai un. Je crois qu'il a déposé le sien à la base. Regarde, la cape. Hey. C'est la cape de l'ox. Elle a un petit flow quand même, hein. Ouais, ouais. Hop, je lui mets dans le coffre. Ça protège du froid, normalement, aussi. Vas-y, vas-y. Oui, après, en fait, là, le truc, c'est qu'il faudrait qu'on voit si il y a le blizzard, il prend le froid. Et s'il prend pas le froid, bah, c'est ok, tiens, en vrai. Ouais, ouais, c'est vraiment ok, tiens. En fait, on aura froid pendant le blizzard, nous, je pense. Enfin, toi, peut-être pas. Ouais, toi, peut-être pas, par contre. Parce que toi, t'es full. Toi, t'es full, bah, en full, vrai, full. Ça dépend. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si le. Enfin, quoique, ouais, le pose... ouais, ça protège quand même du froid, mais est-ce que la cape seule pourrait te protéger? Bah, je pense qu'elle peut te protéger. Parce que là, ça dit quand même, la cape du loup, ça dit quand même que la fourrure vous tiendra désormais chaud par temps de neige. Donc, c'est vraiment en mode t'as pas froid, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, je vois, je vois, je vois. Donc, là, ok. Bah... alors, du coup, my bad, j'avais ça sur moi. Brisha. Je nous drop par là. Je sais pas qu'il en a pris, mais normalement je lui ai pris 5 hydromel, ça devrait le faire en vrai, en plus de ça. Donc. Oui, oui, oui. Okay. Donc là du coup c'est quoi? On va sur l'autre montagne, c'est ça? On va sur celle qu'on a déjà fait, on va récupérer le minerai d'argent qu'on n'a pas fini déjà. Ok. On a un TP qui est là, au besoin, d'ailleurs je vais mettre un point dessus au cas où. Montagne, TP. Voilà, mais du coup là on va juste charger le bateau. Le TP ça va nous servir à respawn au besoin. J'aime. Oh, t'es tellement stuff en fait, mec, il est tellement stylé ce stuff. Mais ouais, le loup est insane en vrai. Je pensais pas qu'ils allaient mettre une petite tête sur l'épaule. C'est Game of Thrones en fait. Game of Thrones, guys. Game of Thrones. Et du coup, ouais. T'as combien d'armure là? Là, actuellement, j'ai 57 d'armure. Ouais, c'est pas mal. Hein. Moins que Moment, quoi. Ouais, mais Moment, il a le stuff niveau 4 aussi. Abusé. De toute façon, il va falloir que j'en farme aussi. Si je veux bien tanker et tout pour avoir masse armure avec le vrai argent, là, je vais. Mais là, c'est bien, mec. Hein, pioche en fer niveau 3, j'ai. Elle a 250 sur 250 de durabilité. 250 ouais, de durabilité, c'est énorme. Hein. C'est 100 de plus que celle qu'on avait de base. Donc, c'est presque deux fois la durabilité qu'on avait à la base. Ouais, ouais, après, on va farmer. Le truc, c'est que il va falloir faire des allers-retours au bateau. Quoi. C'est vrai que t'as pas le casque, mec. Avec le casque, non. Ça doit rendre trop bien, mec. Le ouais, stuff. Je pense que ça fait vraiment un truc de fou, le casque, par contre. Ouais. C'est le casque du roi Lich, là. De toute façon, on avait dit que c'était combien? C'était 30 de vrai argent. C'était quoi? Deux trucs de dragon là, c'est ça? Deux trophées de dragon? Je crois que c'était ça. Deux trophées de dragon, une trentaine de vrai argent et je sais plus quoi. Il y a des bateaux encore plus grands que celui-là? Aucune idée, Jérém, pour le moment, c'est pas. Je sais pas s'il a pu faire des clous avec ce qu'on a ramassé. Ah Kenny, on sait pas s'il y a d'autres bateaux là. Non, et j'ai pas l'impression qu'il y en ait d'autres. Parce qu'on n'a pas eu de clous en argent, alors peut-être avec le sombrassier, mais pour l'instant en tout cas on n'a pas. Ouais. Peut-être quand on aura l'autre fonderie pour fondre le sombrassier, on découvrira un autre bateau, pour l'instant rien de plus. Ouais, on est une meute de loup là. Une petite meute de loup. J'arrive à encore se connecter avec son staff lui, à faire vas-y c'est bon, vous avez fini le jeu encore. Ouais bah ouais. Bon, 2 heures il va être trop chiant, puis il va se calmer, il va couper du bois. Ça ira mieux. Bon, du coup, j'ai directement équipé mon petit bréchet. Ok. Bah, go, Kenny. Hein. Ouais. T'as un ping sur ce qui nous restait en minerai ou pas? Ouais, je vais te le mettre. Attends. Hop, je répare le bateau de spi. Ici, exactement à cet endroit-là, il y en a. Ok. Vas-y, hein, c'est parti.
Ok, bon j'ai encore le buff en forme, ça met bien pour la stamina. J'ai besoin des œufs là. C'est pas trop risqué là d'avoir laissé les œufs sans défense là. Bah le truc c'est que normalement le jeu ne se déroule pas là où on n'est pas. Du coup okay, c'est okay. Que quand on va y aller, soudainement on va se faire attaquer par des dragons quoi. Ah oui c'est peut-être parce qu'Alpha y était. Ouais c'est ça. Ouais t'as raison. C'est généralement le jeu n'avance pas quand on n'y est pas. C'est pour éviter les lags justement. Ok. On va voir, moi je vais rentrer dans le froid, je pense que je vais prendre froid moi parce que j'ai pas un full stuff. Ok. T'as pris de l'hydromel de toute façon si jamais? Ouais j'en ai deux, ça devrait suffire pour cette montagne je pense. Ok. Faudra juste redire à Alpha quand de grimper. Il a du truc à récup. Aïe. Ouais cette grotte c'est une grotte de troll. On a déjà vu. Bah mec. Ouais. J'ai pas froid. Tu prends rien, on est d'accord? J'ai pas froid. Voilà. Cape de loup suffit en fait. La cape de loup suffit. Donc, ok, good. Donc si ça lui fait pareil avec Alpha, c'est nickel. Ce serait bien que la cape de Lox fasse pareil, effectivement, ça mettrait bien. Entre, il a tué tellement de loups, Manu. No joke, hein. Qui Manu. Parce que on avait énormément de fourrure de loup. Hein. Mais je crois que ça drop deux par loup. J'en ai eu un sur le loup, là. Ah ouais? Je viens de tuer un loup, ouais. Donc il en a juste tué genre masse, hein. Ok, j'y suis au minerai. Ouais, j'arrive, j'ai juste fait le tour. Y'a un drac en face de moi, je vais le fumax. Trop, my bad. Putain, là faut vraiment un arc ici. Ok. Ouais, un arc c'est nécessaire ici. Hein. Ok. Il y a encore un. Ça met pas les mêmes dégâts. Hein. La pioche que j'ai là. Non. Mais des vrais damages. Ouais, l'œuf je vais pas le prendre parce qu'en vrai ça pèse 200 kilos. Ouais. C'est méga lourd. Si jamais il y a une invocation. Ouais, enfin, j'imagine que j'ai une invocation. Je suis aggro par deux dracs. J'essaie de te rejoindre assez rapidement. Ah, à la place de mettre des ceintures, on va mettre des bottes pour aller plus vite. Ah, la stamina, c'est bon. Oula. 2 FPS. Si on trouve un deuxième trophée de drac, je te ferai le casque. Comme ça, t'auras le full ouais, stuff. Tranquille. Tu seras le Jarl. Le Jarl. Je vais juste en profiter pour nous. Regarde, je vais faire un petit clutch là. Attends, mais pourquoi Attends, il y a un problème avec ma ceinture. Dis-moi. Ah oui, mais c'est parce qu'on l'a déjà trouvé. Et oui, du coup, c'est pas caché. Et oui. Vas-y, c'est parti, je commence à taper. Moi je prends le buff en forme et quand on est à côté d'un feu on régène plus vite la stamina. Du coup si tu prends le buff en forme et en plus t'es à côté d'un feu, ta stamina elle régène en une seconde. Ok nice. C'est trop fort. Donc là je reprends le buff, voilà, c'est bon j'ai 8 minutes. Et là maintenant c'est le clutch. On met des vrais dégâts par contre hein, au minerai. Ce petit bout de... T'as vu comment il est big en vrai? Et encore, il y en a encore dans le mur. Par contre, j'espère que ça m'arrivera pas. Hier comme il m'est arrivé hier, je vais sur le minerai cuir, je tape dessus, il disparaît. Hein. Oui, j'ai vu sur le clip, c'est trop drôle. Secours, hein. Et que t'es juste trop fort en fait. Les biceps.
Mais en vrai, ce que je disais là, c'est pour une bêta, c'est vraiment pas dégueu. C'est même pas une bêta, c'est une alpha, mec. C'est une dinguerie. Bah, c'est vraiment pas dégueu. Oui, c'est une dinguerie. Il y a trop de contenu. Parce que oui, mais tant genre, bon, on parlait et tout, mais imagine, t'as une réelle évolution, tu vois, genre comme si tu jouais genre à un Civ, tu vois. Ouais, ouais. Et genre, tu peux partir sur d'autres planètes en fonction de ce que tu dis. Ça serait la folie, hein, en vrai. Et tu dis ça, mais c'est pas totalement délirant, étant donné le folklore nordique, comment il fonctionne. C'est oui, pas totalement déconnant. Oui, oui, oui. Avec le Bifrost, avec le Bifrost, avec Yggdrasil, avec tout ça, tout est possible. Et là, on rencontre Helheim. Y'a quelqu'un qui m'a mis dans le chat depuis quand c'est une alpha. Puis le... De toute façon, les jeux, tous les jeux qui sortent actuellement, si c'est pas des triple A, c'est des alpha. Pas faux. Ils ont compris le concept de on va mettre un petit peu et ensuite on va mettre de temps en temps. Je suis encombré, Kenny. Je vais donc changer de ceinture. Ok, mais aussi un peu à rien. Oh, mais y a... Par contre, il y a tellement de silver, c'est pas du fer. Hein. Beaucoup. Il était ouais, en bêta depuis de... 3 ans. Ah ouais? Il était en bêta depuis 3 ans. Ok. Ouais, 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 il est juste sorti en early access ouverte récemment. D'accord. Mais ça me fait plaisir de ne pas y avoir joué avant, par contre, parce que ça m'aurait frustré d'attendre 3 ans, tu vois. Au secours. Ouais, au secours, vraiment. Alors que des MDR. MDR. Putain, mais y'a que des ouais, filons de fous furieux. Ils sont vraiment grands. Hein. Ouais, c'est une dinguerie. Hein. On le déchire le filon. Hein. Ouais. Après, le problème, c'est qu'Alpha il est toujours dans le bateau. Ouais. Et ça, ça me fait un peu peur. Hein. Parce que ça veut dire que les mobs peuvent taper le bateau pendant qu'il est dedans et tout. C'est pas fou. Je suis encombré. Et moi aussi je suis encombré de fou, faudrait que je ramène mon... faire un aller-retour. Ouais, juste la cape fonctionne, c'est ouf ça en vrai, hein. Ça met trop bien. Faudrait vraiment des trucs qui réduisent le poids. Ce serait de la bombe, ce serait vraiment clutch. Mais qui réduisent le poids, comment ça? Ouais, tu sais, genre de la bouffe qui réduit le poids, enfin que tu peux... Ah oui, en mode ça te donne de la force. Oui, en gros, quand tu sais que tu peux, bah, tu peux transporter plus de choses, quoi. Ouais, je suis d'accord. Notion de force. La flemme. Donne-moi un trophée, donne-moi un trophée, donne-moi un trophée. Ok. Ah. Oh, chier. J'utilise mes flèches en bois, du coup. Oh, il s'est arrêté le con. Voilà. Vu la flèche. La fait si vous. Un petit loup là. Un petit loup. Je colorie un peu la forêt par ici. Par là.
Je trouve ça un peu trop simple que juste la cape suffise pour le froid. Après, il faut un trophée de loup hein, pour pouvoir faire une cape. Donc c'est pas si facile que ça. Il faut 20 d'argent aussi. Enfin, ou 5 d'argent, je sais plus. Donc faut trouver de l'argent, faut trouver le trophée de loup, faut trouver la fourrure et tout. C'est pas si facile que ça en vrai. Alors, oui, il y a un vrai problème là par contre, Alpha. Alpha nous a créé un vrai problème. Bah, le problème, ouais, c'est qu'il est resté dans le bateau et le bateau a dérivé en fait. Ah! Bah, très bien. Donc, oui, là, ça a fait un vrai problème. Mais là, on peut pas rien. Lireux? Du coup, moi, j'ai chopé trophée et fourrure là, de loup. Et Alpha, dans le coffre, du coup, t'auras l'hydromel, la cape. Et je sais plus quoi. Voilà. Ok, mais j'ai pas fini de manger là. Mais je reste dans le bateau. T'inquiète. On va. Alors tu as, ouais, t'as tes trucs dans le coffre comme il a dit. Hein. Oublie pas. Oh mais vas-y toi. Bougez. Et je reprends mon buff. J'aurais trouvé ça plus cool que tu doives te démerder avec les popos le temps de te faire un stuff loup mais qu'il coûte moins d'argent du coup. Bah, c'est exactement ce que tu dois faire. Tu dois te démerder avec des popos jusqu'à ce que tu te fasses un stuff loup pour pouvoir tenir le froid. Je vois pas quel est le problème. C'est exactement ce qu'on doit faire. Ah, un full stuff loup. Ah oui. Oui, après c'est pas dit que juste avec la cape je tienne un blizzard. Hein. Pour l'instant je tiens le froid. Oui, c'est ça qu'il va falloir voir en fait. Est-ce qu'avec le blizzard, tu prends cher? Je pense. De toute façon là ce qu'on va surtout voir c'est que... Est-ce que Alpha va prendre des dégâts de givre avec juste la cape... De Lox, ouais. Quoi. Après le Lox, voilà, ça a quand même 6 milliards d'HP. Ouais. Et puis ça a quand même une sacrée fourrure aussi. Pour moi oui, ça tient chaud hein, normalement. Donc on va voir. J'entends des petits dragons. Ouais, ça tient chaud, mais est-ce que ça suffit? C'est ça la question qu'on se pose et on verra bien. Tu vas arriver. Vas-y, j'y vais. Il va falloir que j'active mon brichet. Oh merde, y'a un golem sur moi, sa race. Eh ben j'ai eu de la chance. Du coup je reviens vers toi. Avec mon bréchet, voir si ça passe quelque chose de plutôt de ce côté là, là, c'est la montagne. Je suis contre un golem. Ouais, j'ai entendu. Ta purge de fer. Il inflige quand même pas mal de dégâts, mais il est très tanky hein, pour le coup. Tu veux pas venir avec moi vite fait là pour farmer? Attends, je vais l'amener, il va farmer l'argent pour moi là. Viens. Suis-moi. Il y a le fer là, il y a l'argent là. Viens. Des fois les loups prennent pas de dégâts, hein. Je comprends pas. Comment ça? Bah en fait genre, tu mets un coup d'épée et en fait tu les touches pas.
Genre comme si l'épée passait au-dessus d'eux, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, ouais, tout à fait, ouais. Ça a l'air vraiment bien. Ok. Tu tapes la montagne quand il est au-dessus de toi. Ah, ouais, ouais. Ça c'est chiant du coup. Ça va partir en bombe puante tout ça. On a jamais utilisé ça. Ouais ouais. Mais en fait si, les armes efficaces, ce sont des armes qui ont des dégâts... C'est des dégâts quoi? C'est des dégâts perforants. Donc les flèches, donc les lances, tout ça c'est fort contre les golems. Bon, ça c'est perforant aussi. C'est bien, ramasser de la peau là pour les potes, là, ça, ça fait plaisir. Hop. Oui, oui, arrêtez de faire les timides, venez. Venez les squelettes, j'arrive, je viens m'occuper de vous. Putain, y'a rien qui bip, Kenny, ça bip pas de ce côté là. Non, y'a rien, je pense, là-bas. Trop triste, mec. Je vais regarder, peut-être plus par là, tu as vu qu'on est pas allé par là-bas. Mais la montagne a l'air de se terminer. Ouais, ouais, je voudrais aller regarder. Déjà, il y a un autre aller-retour à faire. Il y a assez de silver ici à ramener, hein, déjà. Ouais, tranquille. La masse, hein. Allez, un petit trophée là de loup là, pour une cape. C'est pas mal. J'arrive sur ton pote golem. Ah. Ok, il va pas être. Ouais, je crois qu'il va être méga chiant le golem. Là. Tu l'avais bloqué, c'est ça, Kenny, ce golem là? Bah ouais, je suis allé direct à mon truc, il m'a pas suivi, dommage pour lui, hein. Ouais, t'as raison. Je crois ah, il y a un loup. Cool. Il y en a deux même, t'en as deux. J'en ai trois, exactement. Trois. Quatre. Ils sont quatre. Ok. Donc une étoile. Ouais, je vais peut-être mourir, mais vas-y, hein. J'y vais, hein. Je tape, j'en ai eu un. Je continue j'arrive, de taper, j'arrive. Je suis en all-in. Je suis là. Attends, il me tape, tranquille. Mets deux. Le buff de Mazdos, hein. Mais trop bien le buff de Mazdos, hein. C'est vrai que là, je m'étais pas. Voilà, bon, j'ai pas eu de tête de loup et un peu de fourrure. Alors vas-y, go ramasser ce qui reste. Ah, y'a un petit peu d'argent par là, j'avais pas vu. Cette petite fourrure. Et hop. Bien. Il y a tellement là. Y'a un trou là où il y en a quelques-uns là. Attends, je vais juste écarter toutes les pierres là. On va les mettre au pire, on va les mettre directement en trou, comme ça on n'y retourne pas. Le filon infini, sa mère, putain. Hop, voilà. Avec des pierres. Garde les une étoile pour Alpha, non? Bah là, je pouvais pas trop le garder là, le loup, là, j'avoue. Bientôt plus de durabilité d'ailleurs sur cette pioche, il va falloir que j'aille au TP pour réparer. Le minerai d'argent qui fait toute la montagne. Mais je te jure, hein, c'est un truc de fou, hein. Et c'est un truc de ouf, ah, il mais s'arrête attends, quand mais il y en a encore. Ah oui, ça s'arrête pas en fait. Attends, je vais essayer de. Hop. Toujours pas fini, frérot. Non, mais Kenny, je pense qu'on a trouvé le minerai qui va sauver toute la team là. C'est n'importe quoi, frérot. Y'en a trop. Y'en a bien plus que pour un seul. Regarde ce qu'on a creusé, mec, pour le minerai. Heureusement qu'on a la pioche en fer améliorée, hein. Ouais, Alpha, tu vas pouvoir faire des allers-retours là de fer. Enfin, d'argent. On en a vite fait quoi. Bah vraiment vite fait quoi. Je vais changer de ceinture. Allez, j'en ramène 23 là. Il reste peut-être 40 au sol. Je viens de me faire une soupe de navet et des saucisses. Voilà, et normalement ça. Ah et bien ça normalement. Pas du tout. D'accord.
Bah bonne app Alpha. Ah c'est peut-être que la pioche hein, qui fait des dégâts du coup. Parce que c'est un objet particulier sur le golem. Il y a un Drake. Je sais pas si tu l'as vu, je sais pas s'il a gros sur toi. Il a un gros sur le golem. Allez, un trophée pour Jules, s'il vous plaît. Un trophée, s'il vous plaît, madame. Il aurait pu tomber plus bas encore. Un trophée. Plus bas. Oh. Non, j'ai plus de stam. Oh non, je me suis fait brain. Et contre le golem ? Non, il y avait un trophée, mais c'était un trophée squelette qui est à côté. Ah, énorme. It was a joke. J'ai cru. Non mais les minéraux vont pas des pop au sol, vous inquiétez pas. C'est vrai qu'on a... Mais non mais je crois qu'il y en a plus en vrai de... J'ai tout ramassé là. Moi je suis... J'ai 24 minerais sur moi. Hein, Kenny. J'ai 24 minerais sur moi. Et j'ai ramassé ce qu'il y avait sur le côté. De toute façon je vais revenir, je vais refaire un tour parce qu'il doit y... en rester dans la montagne. Hein. C'est sûr, on a oublié des... C'est vrai que là depuis qu'on a les potions du stuff et tout, j'avoue que je suis pas mort hein, depuis. Mais le truc qui nous tuait le plus, c'était le poison dans le fucking marais, hein, vraiment. Ouais, c'était vraiment chiant, ça. C'était trop relou, hein. T'étais en mode, j'ai pris un coup, bah je suis mort, dommage. Qu'est-ce qu'il fait, ce truc ? Un minerai égale un lingot ? Ouais, exactement. Donc là, rien que sur moi, là, j'en ai 23, il en a 24, donc on a de quoi faire encore un stuff à quelqu'un, là. Tiens, Alpha, si jamais. Donc là, il y a une deuxième personne qui est stuff juste avec ce qu'on ramène Alpha, ici. Alpha, t'as pas pris la cape ? Non, mais je suis ok, là, niveau... Et en fait, faudrait que tu testes si la cape, en fait, elle, quand t'as mis dans le truc, en fait, t'empêche d'avoir froid au lieu de prendre de l'hydromel. Ah oui, c'est surtout ça le test. Alors attends, okay. Tiens, avant de repartir. Hop. Tiens, je vais te banquer. Mais je suis full là, mec. Ah, t'es full. Attends, continue, je suis à 443 là. Non, mais normalement, c'est ok. T'as juste les crocs et c'est bon. C'est bon, j'y vais. Ouais, nickel. Du coup, je vais remettre ma ceinture et je vais détecter des objets. Alors pour vous dire, je me suis mute sur le Discord là 2 secondes pour vous raconter un truc, faudra pas que j'oublie de me démute. Ce soir du coup je fais bien l'event de Squeezie là sur Minecraft et je serai en équipe avec Deotoons et Terracide sur Minecraft. Je me dis que ça va être cool, on va s'amuser je pense. Je sais pas si tu me parles mais il est mute. Ouais je mute, j'ai raconté un truc à mon live, désolé je t'ai pas écouté du tout. Ok je pensais que tranquille. T'as vraiment dit des trucs à ton live, promis ami. Non je disais peut-être, tu sais ça marche comme les cryptes. Peut-être qu'il y en a que 2 sur la montagne du coup. Maybe, mais je. Trouver, tu vois. Non, moi je pense que c'est un peu random et que tu peux en trouver beaucoup comme tu peux en trouver que dalle quoi. Ok, bah je fais le tour de la montagne du coup. Alpha, si tu m'entends, tu peux mettre ta pose sur la map si t'es encore dans le bateau. Ouais. Comme ça, on va du bon côté à chaque fois. J'explore petit à petit cette map, c'est marrant. Non, c'est UHC Zelda ce soir. C'est pas Bedwars. Moi, j'ai toujours aimé la neige, de toute façon. Ouais, c'est trop stylé. Que j'allais toujours dans des biomes neige. Parce que les loups, tu pouvais les monter sans faire de sel. C'est vrai, ça. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas de argentivis, du coup il fallait aller en chercher. Voilà. Oh, on a eu un trophée de loup, c'est toi qui l'as eu ? Oui. Ah, trop bien, on peut faire une cape en plus du coup. Let's go. Hop, les crocs. Pas de glisser. Pardon, je te donne l'accès. Ouais, du coup la montagne, je ping vite fait, donc c'est de là à là. Et là à là, voilà. C'est pas si grand que je l'imaginais. Voilà donc la montagne c'est ça. Je vais réparer ma pioche. Bah je crois que je vais faire pareil hein. Enfin en vrai je crois même qu'on... En vrai no joke, je pense qu'on peut essayer de trouver notre montagne hein. Ouais bah alors je vais récupérer le TP à ce moment là. Parce que là je viens clairement de faire le tour, aucune activation du côté de la ceinture. Ok, t'es sûr que t'as tout ramassé comme minerai d'argent là-bas ? Oui, faudrait j'ai que j'aille faire un tour. Tout ramassé. Ok, tout ramassé. Fais confiance, du coup je vais récupérer le TP et on va partir sur une autre montagne. Je sais où est-ce qu'il y en a une deuxième gigantesque. Mais encore plus grande que celle-là.
ici et ici il y en a. Mais il y en a une proche ici. Hein, Kenny. Ah ouais, bah on pourrait aller voir. Hein. On pourrait faire le tour de l'île pour la ping sur la map au moins. Ça nous donnera un peu d'explo. Faut chasser des serpents. J'espère que tu manges bien Alpha et que c'est très bon. Très bon, j'ai fini mes saucisses là. J'ai fini ma soupe, je suis full HP. Tu mangeais vraiment des saucisses si c'est ça, vraiment t'as de la chance. Hein. Bah ouais. Hein. Donne faim. Avec des entrailles de drogueurs là. Ouais, je comprends, t'allais les farmer tout à l'heure. Ouais. Miam miam, c'est fendu là. De dans là le centre, il y avait pas mal de drogueurs hier. Ouais, ils toussaient fort. Ça toussait fort. Ça toussait fort dans le centre. Yo Alex, ça va ou quoi? Et de vous, salut con. Alors, ce de montagne donne quoi? Le donne 3ème boss hier, j'ai un donne de con. Ouais, on a down le 3ème boss, là on est en full farm de vrai argent. Oh non. Je suis en stock vrai argent avec 4 de loup là, pour les dégâts de froid, du coup je suis protégé par le froid. Et donc là, l'objectif c'est essayer de faire le maximum de vrai argent pour tout le monde. On a réussi à tuer un serpent de mer tout à l'heure qui nous a donné une recette complètement folle où il nous faut des champignons rouges, du coup j'en profite pour en ramasser là. Et non, ça avance, hein, ça avance de fou. Donc là on va essayer de stop tout le monde à avoir argent. Moi je vais passer en full tank. Et on verra comment il faut faire pour débloquer le quatrième boss. Ah ouais, je pense. Demain, dernière session. Imo, c'est possible. Ouais, moi je sais que samedi je liverai pas et dimanche je peux pas vous rejoindre. Donc je pense que ce sera ma dernière session quoi qu'il arrive. Même si vous voulez finir des trucs, je pense que je jouerai pas après vendredi. T'as envie de te garder la surprise de la suite? Ouais, et tu sais, arriver au mur en mode bon bah ça y est, y'a plus rien, c'est dur, tu vois. Ouais, sans avoir la fin. Ouais. Je comprends. Et tu sais, ça donne envie du coup, ça donnera envie de retourner. Oh, moi je pense que même si je vais au bout, ça me donnera envie d'y retourner, étant donné que bah, je l'ai déjà fait par exemple avec Satisfactory, ah, tu vois, plusieurs fois par exemple. Satisfactory avec Adrien, on y retournait alors qu'on a le contenu, tu sais, il est limité, et puis on arrivait au bout, on était en mode bon bah voilà, on peut plus rien faire là, c'est énorme, à la prochaine session. Ouais bah ouais. On faisait ça, donc c'est pas un truc qui nous effraie particulièrement. C'est juste que c'est vrai que c'est un peu long. Et moi, ce qui me bute le plus, c'est la fin du fun avec les lags, quoi. C'est vraiment la fin du fun avec les lags, ça me détruit le cerveau. Quand Manu a quitté l'autre fois et tout, j'étais au bout du rouleau. Hein. J'étais vraiment en mode là, c'est trop, quoi. Y a un de nos potes qui a quitté la game pour nous faire plaisir. C'est quand même grave. Ouais. Bah après, et puis moi le truc qui m'ennuie aussi, c'est que bah on peut pas se lâcher sur la construction, tu sais, on peut pas. Oui, t'as l'impression de casser le jeu parce que sinon, ça dirait que c'est en mode. Ouais. Sinon, c'est pas marrant, c'est juste chiant pour tout le monde en fait. Ouais, je comprends. C'est frustrant, on peut pas faire l'expérience du jeu pleinement quoi. Moi j'adorerais me bâtir un village gaulois en fait, genre je kifferais de fou, mais on peut pas. Ouais, je comprends. Les amis, notre bateau il est sur ce ping là ou sur là où t'es, Kenny? J'ai pas fait le bateau, con. Ouais, il est là. Ok. Moi, ouais, je suis parti chercher le TP. Ah, ouais, tranquille. Je savais plus où il était. Du chardon. On est beau, hein. Est-ce que vous avez une autre montagne en vue de votre côté ou pas du tout? Ouais, alors il y en a potentiellement une ici et il y en a une de sur là. Ok. Une de sur en haut et il y en a potentiellement une au sud. Je pense qu'on va faire, on va aller au sud, on va faire le tour de l'île. Là aussi. Là où tapping. Attends. Ah là-bas. Ah, ouais, ça, là pas. On avait vu une montagne aussi, je crois. Mais en vrai, il y en a sur beaucoup d'îles, hein. Sur quasiment toutes les îles, il y en a, mais c'est par rapport à son ampleur, sa grosseur, on peut trouver des trucs plus ou moins intéressants. Ok. Courir, 31. Chardon. Important, le chardon. Ok, j'arrive au bateau. Oh, je suis content, j'ai pas mal exploré cette île, même si je l'ai pas entouré. Je l'ai pas entouré de l'exploration. Où est le bateau? Il est plus loin, il doit être plus loin. Attends, mais il y a un drag sur toi.
maman. Maman, les biches qui vont dans l'eau. Ah bah je vais mourir là, si je... Ouais. C'est concept. Hein. Non. Je pensais juste que tu te fightais contre le drac. My bad. Ok. Bon. Alpha, do you come in? Yes. La Alpha, t'es pas chaud de naviguer vite fait là? Non, non. Si, je veux bien. Si t'as pas fait le tour de cette île, je suis bien chaud que t'en fasses le tour. Voilà. De l'île sur laquelle on est actuellement. Ok. Et comme ça, on peut voir. Fait le tour. Ouais. J'aime bien les îles qui sont toutes explorées, c'est joli. C'est colorié. Ouais. 90 d'argent, ouais, on est 90. Ouais, c'est beaucoup en vrai. 90, c'est pas mal, ouais, c'est pas mal. Ça fait. Bah, c'est 60 le stuff. Donc dis-toi qu'on a un full stuff, quoi. Un full stuff, ouais, tête, bah, torse, jambe, plus une arme. 90, c'est ça. Nickel. Et ça, c'est juste le deuxième filon. Hein. Donc là, on va dans une montagne. On récupère 2-3 filons d'affilée là. C'est game. Le serveur, il est en PS ou. Je sais pas. J'ai l'impression que ça va, mais en même temps, je bouge pas sur un bateau. Donc mon benchmark est très moyen. Il est vraiment pas dingue ce benchmark là pour l'instant. Je peux pas looter moi. Qu'est-ce que tu peux pas douter? Des viandes crues. Ah merde alors. Ah, c'est vrai que les armes, c'est 30, c'est pas 40 les armes, non? Oh t'inquiète, je vais poser le TP et aller réparer direct. Et tu veux le cerf qui partait de l'autre côté du coup, je vois. T'es le genre de mec qui gratte chaque millimètre des jeux à gratter. Non mais là c'est bien, c'est satisfaisant, t'sais. Moi je me fais comme je dis, c'est des magnets de trucs que tu mets sur les frigos là, les départements français quoi. Tu fais le tour, hop. Regarde là par exemple, elle est pas belle cette île. Et celle-ci là. Elle est pas magnifique celle-là. Elle est splendide. C'est une dinguerie. Hop. Ah d'accord. Oui oui, c'est pour ça que je t'ai demandé pardon. Merde, de quel côté je veux qu'on fasse le tour? C'est quoi la commande pour délaisser les objets au sol? Pour savoir, pour voir si ça règle le lag. Donnez-moi la commande, hein, je m'admine et je la lance. Il y a une commande? Apparemment ouais. Ça va être un truc genre clear entity ou un truc comme ça. Ça serait fou ça. Et le problème c'est que je suis pas admin ATM mais Imagine, on fait ça, on a 600 FPS qui pop instant. Alors, comment on se rend admin sur le serveur? Tu veux que je fasse le tour de l'île par quel côté? Comme tu veux. T'es même pas obligé de le faire, ensuite à la flemme. Vraiment, hein. Du coup, on avait dit quoi? C'était là, là. C'était vers là, là. Je sais plus. Enfin, j'en sais rien, je crois que t'as plus de montagnes de vue que moi, donc aucune idée. Là, il y en a une. Ok. Et bah go l'exploration. Je vais me chercher un truc à grignoter, je reviens.
attends, je dois ouvrir le FTP. Administ.txt. Ok. Donc je vais aller chercher ce truc là, je vais me connecter au FTP. Un cerf flottant. En 764. Et un troll à gauche. Alors, il se trouve où leur truc là d'admin list? Je vais tester. Config. Unity 3D. Iron Gate. Valheim. Admin list. Tous les fichiers ont été transférés avec succès. Il était transféré dans téléchargement, je suppose. Ok. Et là, je mets quoi dessus? Oula, oula. Ouais, on a pris un rocher. Is ok. Is ok. Et je dois donner mon Steam ID. Ok. En place, c'est bon. Et merde. Ok, donc je me suis rajouté en admin. Après, il faudra peut-être un redémarrage serveur pour comptabiliser le truc. Ouais. Ouais, faudra. Trop stylé. C'est le Japon du coup. Ouais, elle est quand même grande hein, cette montagne. Elle était quand même pas mal grande. Hein. C'est la plus grande qu'on ait fait jusqu'ici, je crois. Que j'ai fait en tout cas moi jusqu'ici. C'était la première sur laquelle je montais, je dois t'avouer. Trop beau la marque, la carte qui se dévoile. Trop beau. Trop beau, trop cool. Je sais plus. Kenny, c'est sur quel hébergeur ton serveur? NitroServe, non? Tu m'avais ouais, dit. Ouais, absolument. NitroServe, ouais. T'as vu, ça brille la nuit à gauche. C'est un donjon, ça. Il y a surtout des gens qui sont en train de se fight et passent leur meilleure soirée à gauche. Ouais, c'est des squelettes et des grimoires. Ouais. On me rote la main. Ok. C'est moi, j'envoie des messages. Elle est comment votre map par rapport au monde entier?
Et comme ça, donc en fait, en vérité, on est quand même pas mal allé loin. On a largement exploré la moitié en termes de largeur, je veux dire. On a déjà fait... La checklist, là. Ouais, bah oui, mais il a raison en même temps. Ouais, bah en vrai... Ouais. Ouais, j'ai vu que j'ai faim, j'ai vu. Ah, elle est plus grande que je l'imaginais, cette map. Cette carte là, cette petite île. Déjà quoi. Ouais, elle est beaucoup plus grande que je l'imaginais. C'est la première grosse île que j'ai découvert en mer, je crois. Rocher, juste en face de nous. Rocher. Gros quoi ? Rocher. Et. Oh, c'est bon, parfait. Le flow, Oui, l'eau nous a relevé, bien vu. On est passé la ligne de flottaison juste au-dessus. C'est beau. Aïe, colorie ma map. Ah, de l'eau dure. Oups, pardon. Ah non, c'est toi qui... Mais une mouche. Non, c'est mouche. Dur, là. Mouche. Mais du coup, pourquoi on tourne autour de la map qui a déjà la montagne? Parce que Kenny veut. Ah, Kenny, tu voulais les limitations de l'île. Moi, je veux le magnète qu'on met sur le frigo. Ah, ok. Je veux le département du Finistère, s'il vous plaît. Finistère. Tranquille. Donc. Ça racle un peu, mais ça passe. Bon, ça passe. Caillou. Ça passe. Ah, c'est fine. Tu veux que je fasse un petit trépas vite fait? Trépas vite fait, ouais, ce serait top. Ok, ça part au stand. Le pit stop. C'est bon. Poussez. Ah mais c'est bon, il se remet tout seul, c'est un bateau de fou. Ok, par contre les joueurs ne se remettent pas tout seuls. Comment tu fais chambre à part, what the fuck? Kenny, les yeux, c'est encore. Pardon. C'est bon ça. Allez, poussez madame. Voilà, ça, il n'irait pas du coup, merci mec. Oh, je l'ai éclaté, oh, mon Dieu, il est encore plus du chardon là. Oula! What the fuck? Trop fort? Il a quoi en HP là le bateau? Kenny? Pardon! Je répondais. Faut le re-réparer. Oh merde. Oh, y'a un caillou là. Ah mais non, je peux pas le mettre sur le caillou le truc, je crois. Si je veux. Ok. Et je le refais. On aura cassé le bateau 15 fois pour faire le tour là-bas. Oh là là, regarde. Oh là là, mais Kenny. Ça joue. Ça joue de fou en vrai. Hein. Là mec, c'est l'arrêt au stand en fait. Là, full voile, on peut être bon. Full voile, on peut être bon là. Mais t'es sérieux, toi? Arrête! Trop d'APM, hein. On sent qu'il est très très fort avec le temps. Ça joue ouais, ici. Non, mec, t'es pas trop heureux de voir cette île se dévoiler quand même? Pas trop bien? Bah écoute, de fou, hein. Ok, ça, il s'en bat les couilles. Moi, gros là, deux fois. Non, mais moi je prenais la bouffe qui allait dans les cartons, je te le reste. Hein, jamais. C'est bon, Jules, c'est bon. Hein. Tu vas l'avoir ta M4, tu vas l'avoir. Mais putain, donnez-moi cette M4. What the... Odin, et la tête de ma. Bouge pas. Tu vas faire quoi? Imagine, tu le touches, il te one shot.
Le harpon. Harponnez Odin. Je harponne l'arbre. Vous voyez la corde comme moi? Il part si loin. Et on a perdu le harpon. Tu chopes un poisson, il t'amène, bah, il t'amène de l'autre côté de la map en fait. En vrai, le serpent, il peut peut-être sortir. Enfin, ça va servir de ski nautique hein, pour le bateau. Ok, le tour de genre la lui, là. Est complet pour moi. GG à tous, bravo. Pas pour toi, Kenny. C'est bon, t'as ton truc, Kenny? Attends. Tu peux le mettre au frigo? Oui, c'est bon, je peux le mettre sur le frigo. Nice, nice, nice. Allez, Alpha, c'est bon, on peut travailler maintenant. Quoi, si ça se trouve, tu as 100 fois le département qui me manque depuis 7 ans, 12. Peut-être, moi, les amis, je mange, je jette tout ce qu'il y a dedans, donc après. Moi, je suis pas un mec qui accroche. Moi, c'est des cartes postales. Il y a pas de magnéto. J'ai de l'argent. Magnéto qui s'accroche au frigo, je sais pas quoi là. Désolé. Merci, Relapinou. Magnéto. Merci beaucoup. Magnéto. J'imagine magnéto. Le magnéto trop sérieux accroché sur le frigo de Joe. What I'm doing here? It's man. Oh là là, oh là là, regardez! Il pourrait pas y avoir un serpent de mer là, j'ai ça besoin de 60 kilos de viande là. En plus on, ouais, on va tomber dessus hein, c'est sûr en vrai. Hein. Oh là là, on fait deux tours de l'île là. Bah en fait on va là maintenant. Ah putain. J'ai envie de me tirer une balle avec ton magnéto là, vraiment. Incroyable mec. Incroyable. Tu penses? Regarde, y'a un deer. Mais non. Un cerf flottant? Je l'ai harponné. Un cerf flottant. Ah, ah mais là. Le... Mais le pauvre. Oh non. J'ai abrégé sa souffrance. C'était mon pote, what the fuck. Mais j'abrège sa souffrance, c'est horrible de faire ça. Je harponne le troll. La pêche à la traîne. Ah ouais mais je pense que je meurs noyé non? Hein? Imagine je me mets en PVP, tu m'harponnes, on est dans l'eau. Ah ouais je pense que tu mets en noyé 100% ouais. Ah, est-ce par que contre, tu penses harponner les gens pour quand on fait les tarasques, c'est pratique pour les ramener à bord. Oui, c'est vrai. Putain, parce le scaphandre. Tu consommes pas d'endurance quand tu te fais harponner. Ben c'est ça le truc, on sait pas parce que du coup, si on ça utilise pas la stamina, on peut faire du ski nautique derrière le bateau, c'est sûr à 200% par contre. Oui, il est très très noir. Hein. Ouh. Ouais, ça va, le vent, il est pas trop contre nous, c'est cool. Non, mais ouais. C'est cool, c'est cool. En vrai, mec, je vais faire le tour de l'île par au-dessus. Qui veut faire du ski nautique? Non, non, c'est pas ça. Bah, on ira plus vite en fait. Attends, mais tu fais le tour par où là? Non, mais vraiment, tu vas faire. Ah, tu. Ok, là, oui. Et là. Non, j'ai cru que t'allais faire ça. Ah, ouais, 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 vas-y. J'étais en mec, mode bon, à un moment, les gars. Juste, tu veux faire du ski nautique? Bah, attends, tu sais quoi? Bah, non, peut-être pas avec ce stop en vrai. On sait pas trop, tu vois. En plus, il prend de la vitesse. Kenny. Regarde avec son harpon. C'est bon, je m'assois. En vrai, c'est marrant à faire, tu vois. Ça pourrait être marrant. Non, faire. Mais y'a pas Manu là pour tester. Ouais, vrai, Manu, il aurait été trop chaud en plus. C'est sûr, il aurait été en mode. Ouais, moi je fais. Et ça aurait fini. Putain, je suis mort. Ouais, c'est lag aussi. Putain, je suis mort. Je suis mort. C'est Stallone dans les guignols. Stallone dans les guignols. Enfin l'Amérique, pardon. Ouais, tranquille. Monsieur américain. Monsieur Amérique. Ouais, je juge pas. Monsieur Sylvestre. Monsieur Sylvestre. L'étalon italien. Oui. Dans son premier. Pour réveiller Manu. En plus ça va, il a assez dormi là, c'est bon. Ouais, je pense, ça fait quoi? Tu sais qu'il doit pas encore dormir en vrai. Il est sur son portable là. C'est sûr. Tu sais qu'il regarde le live là, Manu. C'est que Alpha pense à prendre ta cape du coup. Et pense à prendre la cape qu'on t'a mis dans le storage. Ouais. Pour pas utiliser d'hydromel et tester si ça marche.
pour le froid. Donc là on se casse complètement, bah il y a une montagne qui est genre là je crois. Ouais, je reviens deux secondes.